Thomas Bach, le président du CIO, donne son feu vert pour les JO de Rio. Les autorités brésiliennes avaient refusé l'idée d'un report. En visite dans les villes candidates des JO 2024, Thomas Bach s'est dit confiant sur l'ensemble des mesures adoptées par l'OMS et l'État brésilien et qui rassure sur la tenue des JO de Rio de Janeiro exposés à la menace Zika. Nous saluons la décision de l'OMS car elle va permettre d'accroître encore plus l'attention sur ce virus et de fournir davantage de ressources pour le combattre. Le virus Zika a déjà infecté plus de 4000 femmes au Brésil. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé l'ont qualifié d'urgence de santé publique de portée mondiale. Pour le président du CIO, certains éléments comme la tenue des Jeux en août est fort rassurant. Tous ces éléments font que nous sommes très confiants. Lorsque les Jeux de Rio débuteront, les conditions seront bonnes pour les athlètes et les spectateurs. Par mesure de précaution, les autorités brésiliennes ont déconseillé aux femmes enceintes de se rendre aux JO.